Bonjour chers amis, je suis Brice Camden, consultant comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment concevoir une épreuve de mathématiques à partir de Word. Voyez un peu chers amis. Je vais par exemple vous montrer comment concevoir une épreuve comme celle-ci à partir de Word. Donc, c'est très simple, chers amis. Je vais aller dans Word à ce niveau. Je vais faire d'abord celui-ci. Donc, vous allez dans Insertion. Hein. Vous allez dans Équation. Cliquez sur Équation. Le pi, si vous cliquez sur pi. Lorsque vous cliquez sur pi, voilà, vous déroulez là. Vous déroulez. Lorsque vous déroulez Équation. C'est différentes formules apparaissent. Vous pouvez cliquer sur insérer une équation, une nouvelle équation à partir d'ici. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur insérer une nouvelle équation, là vous pouvez donc créer les équations dont vous avez besoin. Par exemple, la limite lorsqu'elle ne tend vers l'infini. Ou un peu, vous pouvez mettre limite. Limite, vous choisissez une limite de votre choix. Ça peut être log, ça peut être limite. Vous pouvez choisir limite. Donc, je peux écrire limite de x. Limite x. Lorsque x tend vers. Limite de x lorsque x tend vers l'infini. Je crois que c'est ça, non? Limite de x lorsque x tend vers l'infini. Je crois que c'est ça. Lorsque x tend vers l'infini. Donc voilà par exemple un cas. On peut écrire par exemple pour insertion équation, vous cliquez sur équation, vous pouvez écrire intégrale de 1. J'écris n'importe quoi chez amis, de 1 à 5, j'écris n'importe quoi, de 2x plus 5, de 2x plus 5, voilà un peu, de 2x plus 5, de 2x, voilà un peu. Donc, je peux par exemple écrire insertion. Je prends plutôt la forme C, une fraction. Celle-ci. Vous pouvez aller au numérateur. 2x plus 4x carré. Disons 2x carré par exemple. 2x carré. Je vais écrire x carré comme ça. 2x carré plus 5x moins 2. Voilà moins 5. Voyez un peu sur x carré moins 6. Sur x carré, disons simplement sur x carré, voyez un peu. Donc chers amis, vous voyez que toutes les équations, hein, vous voulez insérer une nouvelle équation ici à ce niveau, équation racine de la radicale par exemple, vous pouvez utiliser la racine et demi radicale
disons de 2x moins 1. Ouais, un peu. On peut utiliser la racine énième, comme j'ai dit d'entrée de jeu, la racine énième un peu comme celle-ci. Disons que racine énième est un peu comme ça. Racine énième, disons des 2x plus 5. Plus 5, je vais dire racine énième avec n égale à 7 par exemple. Voyez un peu. Vous pouvez prendre insertion, équation, vous pouvez prendre exponentielle hein, ou bien les crochets. Tout dépend de vous. Donc, en fait, en principe, ici vous avez tout, chers amis. Je vais écrire simplement 2x plus 3. Là, 5x. Plus 4, x plus 4, c'est x plus 4. Là, je vais écrire 6x plus 7. Donc, vous voyez là, vous avez un peu de tout. Hein. En fait, vous avez tout. Donc, là, insertion, équation. Vous pouvez mettre les crochets, vous pouvez mettre les intégrales, les limites, les logs, les sinus, par exemple. Sinus x, tangent x, cosinus x, sinus x. Donc, grosso modo, chers amis, vous devrez utiliser insertion, vous devrez utiliser la fonction ou bien la commande équation et symbole en ce qui concerne la saisie de vos épreuves de mathématiques. Donc, équation. Tout se passe ici, chers amis. Vous voyez un peu. Donc, voilà grosso modo la situation. Si vous pouvez insérer un certain opérateur, comme la somme présente là, là, vous pouvez également prendre insertion, la somme. Les opérateurs comme c'est comme je peux prendre quel opérateur tout à l'heure j'ai pris accentuation limite les opérateurs les grands opérateurs comme par exemple là la somme de 1 à n par exemple. La somme de 1 à n, j'ai dit aussi n'importe quoi, f de x. Bref, j'espère que vous avez compris, chers amis. Donc, je vous prie de liker tout simplement et de vous abonner.